Frank West? Vous allez me coffrer? Possible. Retenez-les. On va avoir besoin de cet équipement. Ça devrait les gêner. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Courage! Salope des zombies! Voyez ce que vous pouvez faire de ça! Ah, bon sang! Les zombies de la zone de restauration sont les pires! Tirons-nous d'ici. Allez! Bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Ah!
bordel de merde. Il faut un abri. Trois étoiles au mieux. Vous faites toujours l'andouille. J'ai intérêt à bien inspecter l'endroit. Bien, retrouvez-moi à l'hôtel. Bon sang. Regardez en bas. Ça grouille. Ces gens ont pas été vaccinés ? Si, si, c'était obligatoire dans tout le pays. Ça n'a pas de sens. Panoramique est un peu trop dangereuse. Désolé, j'ai eu envie d'un samoussa. Un samoussa ? Cette mission est longue. Hé ! Venez par ici avant qu'il vous voie ! Hé, amenez-vous ! J'ai trouvé une planque d'enfer! Il y a de l'après-rasage, du déodorant et tout ce qu'il faut! Ah, de nouveau! Oh! Un angle intéressant. Il vous reste une chambre avec deux lits. Oh, vous êtes fandard.
Vous savez, techniquement parlant, vous auriez été notre premier client. Comment ça? Vous êtes pas d'ici, je me trompe? Ce bordel a commencé pendant le Black Friday, le lendemain des grandes soldes pour l'ouverture. Vous voulez dire que la galerie était ouverte depuis même pas un jour quand les zombies l'ont détruite? Faut pas rester là. Cette porte mène au couloir de maintenance? Ouais, mais le directeur s'y est enfermé quand il a été mordu. J'essaie de la défoncer depuis un bon moment. Ah merde, les laissez pas approcher davantage! Crève! Oh, oh, on a des ennuis! Couvrez-moi pendant que j'ouvre cette porte! Bordel, c'est qui ces enfoirés? Entrée principale, couvrez-moi! Putain, j'en ai déjà ras-le-bol de cet endroit. Ça y est, on y va. Oh merde, t'étais un vrai connard, Ted, mais tu méritais pas ça. Je m'appelle Connor, au fait. Bien, enchanté. J'enquête sur cette épidémie. Vous savez comment ça a commencé? Je sais que ces enculés de soldats gardaient un truc super secret près de l'entrée principale de la galerie. Mais il y avait une journaliste... Quelle journaliste? Elle avait un nom de mec, je sais plus. Vic, elle est où maintenant? Elle s'est planquée un temps dans le centre de sécurité de la galerie. Il est peut-être encore. On devrait aller au centre de sécurité. On y trouvera peut-être des armes. C'est un bon plan, mais j'y vais seul. Quoi? Écoutez, cette épidémie est très certainement une sorte de test, et il doit être organisé par ces enfoirés de soldats. Je dois découvrir pourquoi, et j'y arriverai pas si un poulet me tient en laisse. Je dis pas ça pour vous offenser. Bon, d'accord. Je vais aller en ville et m'intéresser aux opérations d'aide. Si vous apprenez un truc, tenez-moi au courant. Ok, si j'en ai le temps. Bon, je me tire. Il y a une milice qui se forme à West Ridge. Je vais les rejoindre et tuer encore plus de ces cons. À plus! Bonne chance, West. J'ai eu du pot. Maintenant, il me faut un bon scoop bien juteux.
Oh merde, reprends-toi, Frank. On y va! Mesdames et messieurs, démarrez votre moteur! Voiture de tête, Frank West, un photographe adulé et un type fantastique. Wouhouhou! You won! Come to the center podium to claim your prize! Please note that all the prizes are not transferable. No cash value, none in exchange, no insurance, but not FDA approved. And I'll be able to limit you to the... Allons-y! Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, Connor dit que Vic se planque au centre de sécurité. Je vais découvrir ce qu'elle sait. Après, je la ferai dégager de cette ville à coups de pied dans le cul. C'est quoi le problème? Oh, mon Dieu! Je suis pas marié, j'ai vraiment rien à faire ici. Thank you.
C'était... pas un bruit normal. Des jours. C'est quoi ce bordel? Je vais la supprimer. Vraiment pas bon là-dedans. J'espère que c'est pas Vic. Il fait quel temps dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez tous tués? Vous êtes là depuis longtemps? Vous avez pas vu une journaliste appelée Vic? Oh, si. Si, elle s'est planquée ici pendant un moment. Elle a laissé des affaires. Vous pouvez y jeter un œil? Faites vite! Je vous dois une fière chandelle. Je dirigeais une boutique ici jusqu'à ce que quelqu'un laisse la porte principale ouverte. S'il vous faut un truc, passez me voir. C'est l'écriture de Vic sur le mur. Ça doit être là.
Vous allez pas ressortir les mains vides.